La chaîne Twitch du Sage est actuellement en phase de test bêta, afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le -barobo-bas-du-bas-sage-bas-de-bas-nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, https. J'ai oublié d'ouvrir le micro, mais quel abruti! Oh pardon! Va falloir que je recommence complètement mon speech d'intro. Oh là là, le mec qui est mal réveillé dimanche matin, excusez-moi. Alors attendez, du coup je vais me concentrer sur la mission et je vous laisse vous installer, j'espère que vous allez bien. Ça va être un petit direct, hein. Je devrais pas faire plus d'une heure. Mais n'importe quoi! Ah non! Oh les âneries, je vous jure! Oui, bon, alors. Je ne sais plus, je suis pas le douche. Hop là! Eh ben, go! Hop, 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 hop
Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je vais préparer tout de suite l'équipe suivante. Ah, gants et jetés, il y a une équipe qui est arrivée. Ah bah si, on va faire un petit peu quand même de... Ah bah c'est cool. C'est cool. D'accord, je cumule le gant acheté. Ok. Ah bah c'est sympa. Oui, donc je recommence mon baratin. Je pense pas diffuser au-delà de 11h, on va voir. J'aurais plus de temps, j'aurais fait du Minecraft, mais là j'ai des tâches ménagères en retard. Bref, je pourrais malheureusement pas consacrer ma journée à être en direct, à faire des tests longs et tout. Que dire? La session précédente sur ma chaîne principale, maintenant je diffuse de la chaîne principale parce que je vois que j'ai encore plein de trucs à préparer avant le 1er janvier pour être peinard à allumer et que ça marche sans qu'il y ait à rafistoler un truc. Le son était un problème en dehors du fait que j'ai oublié mon micro ces 10 premières minutes, désolé. J'avais un grésillement dans ma session précédente, c'est Streamlabs qui a dû bouder mon voice meter qui est censé gérer les entrées-sorties son et il n'a pas filtré mon vieux micro de secours, micro noir, qui est en mini jack. Et qui est... Ah, mince, j'ai pas fait gaffe à la question, quel idiot. Oui, je crois savoir qu'il parle de la confrérie de l'acier, comment ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans un avion, je crois. Je sais plus si c'est un avion ou un transporteur. Enfin, ils arrivent, ils ont des hélicoptères, normalement. Oui, bon. J'ai gagné. Qu'est-ce que je... Mince, ça y est, je suis confus. Oui, là j'espère que vous m'entendez sans grésillement sonore en arrière-plan. C'est mon test principal de ce week-end. Voilà. Et sinon, moi le Minecraft, je vais me le réserver hors antenne aujourd'hui parce que je vais le faire par petits bouts. Je vais alterner jeux et tâches ménagères. Clic-clic. Et puis l'histoire de voir un peu les copains sur leurs chaînes respectives sur Twitch aujourd'hui. Mais malheureusement, là je suis coincé au niveau tâches à faire. Des écorcheurs. Voilà, la barre est haute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que au niveau agenda, je risque de pas diffuser le restant du mois d'octobre. Les deux week-ends qui arrivent, je vais avoir joie d'être en famille. Donc, mon prochain direct sera début novembre. Ça doit être le week-end du 6-7 novembre, un truc comme ça. Ou 7-8 novembre, je sais plus. Et là, j'espère que je pourrai m'organiser pour faire une session en direct de test et de jeu beaucoup plus longue. Peut-être un minimum un bloc de 4 heures, comme je le faisais avant en fait. Ah, oh, bonjour à G-Club, j'espère que tu vas bien. Je fais un petit test hein, de... Je pense que je resterai pas plus d'une heure, mon pauvre Jay. Parce que malheureusement, là, je manque de temps pour me divertir, mais je voulais absolument faire une session de test aujourd'hui par rapport au grésillement que j'avais quand je diffuse sur ma chaîne principale et que je diffuse avec Streamlabs. J'avais remarqué ce pépin la session précédente. Oui, j'espère que je réponds bien à la question parce que je suis même pas concentré sur le quiz culture, enfin culture de Fallout. Voilà. Oui, je vais faire bien, merci, merci. C'est juste que mon seul souci, si tu veux, c'est de pas avoir le temps d'être baba cool. Bonjour Dragon Sky. Oh, c'est adorable, vous arrivez tous en même temps. Ah là là. Ouais, bah j'espère que tu vas bien aussi Dragon Sky. Petit test hein, de direct, je reste pas longtemps. Je reste une heure maxi. Parce que malheureusement, j'ai pas trop le temps de me divertir. Mais moi, ça me fera un retour suffisant pour faire un test de qualité. Et ça, j'aurai matière à bosser dans la coulisse après. Et donc, le prochain test, je le prévois début novembre. Là, cette fin octobre, j'aurai pas du tout le temps de diffuser, malheureusement.
Oula, ça bouge énormément. Hein, du coup. J'ai plein de petits sons, de petits. Ah oui, d'accord. Je viens de voir que j'ai une notification dès que vous me faites un message sur le chat. En plus de mon panneau de contrôle spécifique au chat, je viens de voir que j'ai une alerte encadrée à l'angle de mon écran secondaire qui s'affiche. Donc c'est bien, au moins ça me dit que ça bouge sur le chat. Et je risque de pas trop vous mettre devant, tant mieux. Parce que je détesterais ça. À moins que je sois complètement accaparé par le jeu. Mais là, ça va, c'est pépère. C'est routinier, on va dire. Quelle technologie avancée est souvent utilisée par les membres de la confrérie de l'acier? L'armure assistée, bah oui. C'est pas comme si mes gars en portaient. La bonne blague! Oui, des mulets blindés, ouais. Ah, il y a des concepts. Grâce à une cadence assez soutenue, le rythme est bon. Un dernier petit étage. Mais il est bien fichu le Fallout Chapter. Il est bien fidèle à la saga, à la série. Que cherchait la confrérie de l'acier au QG de Mass Fusion? Non, attends. La tête de Liberty Prime, je crois pas. Non, non. L'agitateur. Ah, peut-être l'agitateur de Beryllium ou le méga missile. Oh, je sais plus. Le pire, c'est que c'est Fallout 3. Je l'ai fini il y a un petit paquet d'années, j'ai envie de dire. Excellent, Fallout 3. Mais je sais même plus alors que j'ai fait l'émission. Agitateur de Beryllium ou méga missile. Ouais, je veux dire agitateur de Beryllium. Mais je me demande si je vais pas me planter. Ah si, c'est ça. Ah non, bah elle bluffe, elle dit que valse les têtes. Ah si, si, si. J'ai eu raison. Ah yeah, ça fait plaisir ça. Bah tiens, pour le délire, on va s'en offrir une. J'en ai plein en réserve à l'abri. Un petit tirage de cartes aléatoire. Oh, le Oudada. On fait des choses merveilleuses avec cet objet. Jolie récolte. Allez, zou. Les dernières pièces. Oh, des écorcheurs. Dur. Il n'y a pas pire que les écorcheurs. Ah, c'est bien, Edge. Ah, bah, je suis content que tu aies la main sur ton ordi. Oula, familial, pardon. T'as bien raison, Edge. Oh, mauvais réflexe. Ah, bah si t'es peinard chez toi. Ah, bien raison, profites-en. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Hop là. Oh. Alors, après avoir vu l'ennemi le plus coriace du jeu, on voit le plus faible. Le rat de cafard.
Bon bah, au moins on aura vu un panorama assez large de bestiaires dans le jeu. Eh bien. Oh, du ruban adhésif de qualité militaire. Ça aussi c'est bon. À pouvoir me permettre d'assembler des objets de qualité. Eh bien, j'ai vite douché le bâtiment. Hop là. Mission accomplie. J'étais le oudada. Youp là. Ah bah c'est bien, mes deux petites équipes sont en mouvement extérieur. Ouais, on va faire je vais pas faire d'opération spéciale à l'intérieur de l'abri. On va se faire une petite ouverture de boîte carte mystère là, carte au hasard, et puis je vais basculer sur un peu de Minecraft pour papoter peinard avec vous si vous le souhaitez. Trier, j'ai quoi en réserve? Ouais bah hop, allez, une petite boîte. Alors. Ah, 100 petites capsules en monnaie, une pelle. Ouais, une tenue. L'énergie. Oh, c'est la misère. Ouais, un peu de thunes. Bon, bah, c'était pas la boîte de la joie. Hein. Il peut y en avoir des plus généreuses. Tiens, c'est quoi mes objectifs du moment? Fabriquer 9 tenues, obtenir 24 tenues et tuer 12 créatures. Oui, les tenues et les. Oui, les ateliers, je suis nunuche, moi. J'ai pas vérifié mon atelier d'armes et mon atelier de... Ah non, encore 6 jours pour les gars. Alors ça veut dire que j'ai joué le week-end dernier et je m'en souvenais plus. Parce que j'ai commandé des trucs qui durent 15 jours temps réel à fabriquer. Donc j'aurai la récolte le week-end prochain. Ok. Bon, bah voilà. C'était la petite session rapide Fallout Shelter. Je vais vous mettre ma tronche en plein écran. Pardon, voilà. Coucou tout le monde. Alors, que je gère bien le direct... Je vais basculer momentanément en Just Chatting, le temps de lancer mon bazar Minecraft. Et ensuite, et ensuite, je rebasculerai évidemment dans la catégorie Minecraft dédiée. Voili, voilou. Alors, faut que je garde un oeil sur mon chat, parce que si vous voulez me faire la causette, vous êtes les bienvenus. Oui, et puis j'ai envie de dire, c'est pas comme si mon lanceur va mettre 3 plombes à me charger Minecraft. Alors j'ai tout sauf un ordinateur de compétition, hein, sachez-le. Là, mon ordi, il est. À la base, il est vieux de 10 ans, donc il est censé être mis à la retraite. Bien que j'ai changé la carte mère suite à un incident il y a 6-7 ans de ça, donc il devrait tenir encore 2-3 ans, normalement. Mais j'ai une petite 710 GT. Alors qu'avant j'avais une 460 GTX. Pour le jeu c'était mieux. Mais ça a cramé, c'était la crise des composants. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, bon un peu moins. Mais je ne vais pas réinvestir dans une carte graphique pour le moment. J'en ai pas le besoin, je suis heureux avec ce que j'ai. Parce que mon ordi me sert avant tout pour bosser. Si je pouvais passer mon temps à jouer, ce serait merveilleux. Mais ce ne serait pas réaliste. Voilà. D'où le plaisir, voilà, je vais essayer de m'organiser pour à partir de l'année prochaine faire des sessions plus longues. Quand je serai en week-end, le samedi, dimanche, à être auprès de vous, ça me fera du bien, ça sera ma soupape de décompression hebdomadaire. C'est le but même du projet. L'animation des emotes, oui. Alors attends, j'ai même pas sous le pif, alors que j'ai la chance d'avoir un écran secondaire, j'ai même pas mis mon écran de contrôle. Oui, apparemment, vous avez déclenché des trucs. Alors, c'est en chantier, hein, je vous préviens, c'est vraiment en chantier. Il y a des polices de caractère qui sont pas celles que je mets au final. Je vais modifier des trucs, modifier des sons, des animations encore. C'est vraiment en chantier. Par exemple, je peux vous montrer un test qui est pas mal. C'est quand quelqu'un me suit, j'ai réussi à programmer une de mes futures émoticônes animées. J'ai fait un petit cœur, ça donne ça. Si ça veut se lancer. Ah si. Oh là, c'est poussif.
Oui, j'espère que mon Minecraft n'a pas crash. Je l'ai même plus dans mon. Dans ma barre de tâches. Ah, j'ai peut-être pas assez de. Ah, si, il me le lance. J'allais dire, j'ai peut-être plus assez de mémoire. J'ai quand même 16 Go de mémoire vive. Mais je crois savoir que Streamlabs est boulimique. Faudra que je revérifie plus tard dans les chiffres. Hop là! Oh, bonjour Askascapac. Ça fait vachement plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Ah bah oui, c'est réciproque, content de te voir, tu m'étonnes. Ah, c'est cool. Le jeu a cessé de fonctionner, génial! Ça a planté, cool! Je vais refaire un test. Alors peut-être, alors ça me ferait suer, peut-être que je. Encore que c'est bizarre, parce que Minecraft, j'ai déjà diffusé dans ma chaîne secondaire il y a un mois là en phase de test, ça s'est très bien passé. Mais attention, j'étais pas sur Streamlabs, j'étais sous OBS. Le simple OBS, c'est pas pareil, c'est moins usine à gaz. Mais je vais très bien, Askarkapak, merci, j'espère que toi aussi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je fais mon direct en avant-première. J'avais posé la date du 1er janvier 2022, tu as parfaitement raison. Mais il se trouve que j'aimerais avoir dès le 1er janvier, je vais parler un peu comme dans l'entreprise, une solution dite clé en main. C'est-à-dire que j'ai plus qu'à tourner la clé de la voiture pour qu'elle marche et que je me barre où je souhaite avec vous dans des mondes merveilleux virtuels. Mais ça se prépare, ça. C'est-à-dire que je suis en train d'apprendre à utiliser des outils de diffuseur. Et donc en coulisses, je bosse autant que je peux sur mon temps libre à vous préparer plein de trucs. Mais il faut tester. C'est pas tout de rester dans la théorie. Un jour, il faut passer à la pratique. Et j'attends pas le 1er janvier pour le faire. Sans quoi, ça aurait été complètement chaotique. C'est pour ça que là, je vais faire 2-3, enfin 2-3 plus que ça. Je vais faire 5-6 week-ends avant le 1er janvier où je vais faire des petites sessions. Des plus petites que prévues quand je serai en 2022, où je m'accorderai au minimum 4 heures de prise d'antenne par jour, j'essaierai d'aller jusqu'à 8-10 heures par jour d'être avec vous. Mais voilà, j'ai besoin de tester plein de trucs et je fais bien de faire des tests parce que c'est un bazar. Il y a des trucs qui vont pas. Je rafistole déjà pas mal de trucs. Oui, c'est cool, tu vas très bien. Je suis heureux de te lire, c'est cool. Et je ne t'oublie pas, hein, ce qui nous concerne en privé, je te recontacterai par courriel par rapport à ce que tu m'as. Ce que tu m'as cédé, voilà, c'est petite parenthèse fermée rapide, je ne t'oublie pas. Oui, ouais. Ouais, c'est normal, ouais, les phases de test. Bah, voilà, il y a du boulot hein, derrière. Quand on est diffuseur et qu'on essaie de faire un truc, qu'on a une idée assez arrêtée comme moi, vous le devinez à mon montage, à mon habillage déjà vidéo, le signal vidéo que je vous renvoie à l'écran. J'ai quelque chose de précis en tête. Donc, bah, il y a ouvrage et matière à bosser en arrière-plan. Ouais. Voilà. Je suis en train de me battre avec mon Minecraft pour essayer de le démarrer. Mais s'il crache encore, ça voudrait dire que mon ordi arrive pas à tenir le rythme, la cadence. Et alors soit j'élimine un programme qui bouffe peut-être trop de ressources qui n'est pas indispensable à la diffusion. Là ça a l'air de marcher. J'arrive au menu. Je vous décris, hein, sans vous donner le signal tout de suite, je vous décris ce que je vois. Je joue généralement en fenêtré à Minecraft pour pas trop mettre sur les genoux mon ordi. Pas besoin de le mettre en plein écran. Là je me connecte à mon serveur. Mais c'est au moment où il va me donner le signal vidéo, il crache. Ouais non ça va pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai peut-être Streamlabs OBS qui me bouffe mon Java. Or, Minecraft est programmé en Java et il n'est pas content d'avoir autant de charges de programmes boulimiques sous Java. Je pense que l'erreur est là. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous diffuser du Minecraft quand je suis sous Streamlabs. C'est embêtant. Alors que sous OBS, je peux. Ah, je jonglerai, tant pis, je jonglerai avec deux. Je jonglerai avec deux systèmes en fonction de mes jours de diffusion, on verra. Oui, on peut dire que c'est des crash tests. Oui, non, mais c'est ça. C'est dans l'idée, là, Jack Club. Ouais.
Je regarde les combinaisons qui marchent ou marchent pas. D'ailleurs, j'avais fait, souviens-toi, je sais plus si tu étais là, il y a déjà quelques semaines, j'avais fait un test de ma liste de jeux que je voulais diffuser, voir s'ils passaient en direct. Et j'ai eu des mauvaises surprises. J'ai dû en éliminer dans la liste. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, c'est pas la fin du monde, je vais peut-être pouvoir vous proposer autre chose pendant encore quelques minutes. Il faut juste que je me remette sous le pif ma sacro-sainte liste de Steam. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire pendant quelques minutes et papoter ensemble? Voilà une question qui est bonne. Un petit truc qui pourrait être court mais sympa. Alors, pardon pour le moment flottement, mais là pour le coup il est nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je voulais essayer si je pouvais faire la chasse. J'ai un jeu de chasse, Cabela Big Hunter Pro Hunt. Alors, s'il marche, il peut être sympa. Pourquoi? Parce que dans les phases de chasse, il y a pas mal de moments d'attente où vous traquez l'animal. Et ben, c'est autant de moments que je peux vous consacrer à bavarder avec vous. Sans effrayer l'animal. C'est tout l'intérêt. Oh, bah, il n'a pas l'air de vouloir se lancer. J'ai cliqué sur jouer et il m'envoie paître. Oh, bah voilà, encore une déconvenue apparemment. Ouais, non, il veut pas. Alors, soit il faudra que je le réinstalle, soit j'ai déjà trop de programmes en mémoire et il boude. Il me fait un caca nerveux. Bon, bah ce sera pas ça. Je peux peut-être faire un autre test qui me plairait. C'est de vous lancer sous le moteur de Half-Life le Garry's Mod. Il y a une carte que j'aimerais vous montrer qui est magnifique. C'est une partie de Paris qui a été modélisée. C'est photoréaliste, c'est bluffant. Si je peux vous montrer ça, juste pour le délire, je serais bien content. Logiquement, tu vas me voir connecté. Ah oui, tu veux dire sous oui, sous Steam. Je te cacherai pas que j'ai dû planquer ma fenêtre des amis connectés. Mais bah d'ailleurs, si tu te connectes là, je pense qu'il y aura ma notification et c'est pas cool qui va apparaître à l'écran. Il y a peut-être des trucs parfois qui vont apparaître à l'écran, j'ai envie de dire bien malgré moi. Contact. Oui, t'es en ligne, ouais, je te vois en ligne, avec deux autres de mes contacts. Alors, ça a l'air de marcher. Donc déjà, je vais déclarer que je suis sous Garry's Mod. J'espère que, hop, ça va marcher. Normalement. Ça marche pas, tant pis. C'est pour la fin du monde. Alors, moi, il va falloir que je bascule. Attendez voir. Que je me fasse des raccourcis clavier pour bien gérer les. Que j'ai pas à jongler d'un écran à l'autre. Hop, on bascule en plein écran et pan, je vous mets Garry's Mod. Voilà. Mince. Ah! Je voulais mon retour de chat et puis je suis en train de faire sauter le bazar. Bah alors? Ah, on va y arriver, courage. Prout, prout, prout. Commencer une nouvelle partie. Oh, par contre. Ah oui, bah là. Ah, ça se voit, elle est magnifique. On va se faire une petite visite de Paris. Il y en a peut-être qui vont croire que je joue à. Comment il s'appelle le jeu de géographie, là Ah, trou de mémoire. GeoGuessr. Ah, vous allez voir, c'est assez bluffant. Alors que je rappelle, j'ai une petite carte graphique. Hein. J'ai une petite 710 GT. Et c'est un bijou. Oh, t'as été censuré, mon pauvre Ascarcapac. Je sais pas pourquoi. Tu aimes bien mon arrière-plan de galaxie et de voie lactée. Alors, non, je suis pas dans ma piôle. Figure-toi que je suis dans mon salon. Et merci. Alors, ça va faire plaisir à l'intéressé au niveau de l'arrière-plan galaxie. Figure-toi que c'est un cadeau de ma frangine. J'ai une grande sœur. Et elle m'a offert bah, mon précédent anniversaire, je crois. Elle m'a offert ça et je me suis dit, bah tiens, c'est bien. J'ai la chance d'avoir déjà avoir pu acquérir un fond vert en drap.
Et je m'étais dit, je le tendrais derrière moi de manière amovible pour pouvoir, voilà, publiquement cacher mon arrière-plan et pas montrer ce que j'ai pas à vous montrer. Parce que c'est le zouk chez moi, hein, je vous le cacherai pas. J'ai dressé le drap là. Et c'est vrai que ça fait un fond vachement sympa. Oui, le chargement est poussif là aussi. Hein, pardon, j'ai un vieil ordi. Alors excusez-moi, je bois mon café au lait du matin. Je me suis servi le café au lait, j'ai toujours pas bu. Ah! Pourquoi il fait. Ah oui, non, oh là là. Ils arrivent à implémenter Google carrément dans Garry's Mod. Oui, donc pour vous montrer, moi j'étais bluffé par cette carte. Alors de temps en temps, je pense que je vous ferai des toutes petites sessions d'exploration de cartes. Parce que je trouve qu'il y en a qui sont sacrément doués. Ah mince, j'ai des réglages pas top de. Faut que je fasse attention, sinon je vous fais une surimpression avec le menu des objets. Il y en a qui sont sacrément fortiches pour de la modélisation. Moi, je suis impressionné. La tour Eiffel, on doit la voir normalement. Ah mince. Tac, tac, tac. Non, mais c'est bluffant. Franchement, j'adore. Et de temps en temps, je vous ferai honnêtement des petites sessions rapides, peut-être en début de direct, histoire de vous accueillir, pépère, qu'on s'installe. Épouse pour passer une journée ensemble. Mince, je peux pas passer par là. Mince, oh, il faut que je règle ce problème de. Ou alors, attendez, est-ce que je peux le faire là au clavier? Ouais, ce sera peut-être mieux. Vous aurez pas la métro, vachement bien fait. Ou les trucs à vendre. Ah, il y a des arrière-cours aussi. On finira par tomber sur la tour Eiffel. Ça fait vachement parisien. Et il y a des cartes magnifiques. Moi, je fais pas mal de sessions contemplatives dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que je fais pas le jeu en lui-même, mais je déambule dans des espaces virtuels. Je suis bluffé. C'est-à-dire que je suis complètement happé par ce qui a été modélisé. Et ça fait une promenade virtuelle. J'adore ça. Ah, j'avais même pas vu que la grue était animée. Non, mais franchement, ça, c'est du travail d'artiste. On se croirait là, franchement, en plein Paris. C'est extra. Alors, notre belle dame de fer, elle est où? Je sais même plus où est-ce qu'il faut aller pour la voir. Je vais peut-être passer dans l'appart à louer, là. Non, c'est la cour. Non, c'est pas la même cour, vous voyez. C'est une autre cour. Alors. Oui, mon cher Edge Club. Oui, je t'ai offert la saga intégrale, les trois opus de Dungeon Siege. Fais-toi plaisir. Tu m'avais dit que comme moi, t'avais fait juste le 1, qui est vachement bien. Et le 1, je le referai volontiers, peut-être sur ma chaîne, parce que j'y ai pas joué depuis des années, là aussi. Et le 2 et le 3, je les connais pas. Donc, faudra pas que tu me dises ce que t'as découvert dans le 2 et le 3. Faudra pas me spoil, comme on dit en anglais. Me dévoiler l'intrigue, mais je te souhaite bien du plaisir, mon cher Adjay. Ah, même les oiseaux. Ah, la grande dame de fer. Ah, j'adore. Bah, je serais vraiment critique sévère. Je dirais que dans ce moteur, il manque plus que les animations avec les passants et les bagnoles, quoi. Mais franchement, on s'y croirait. Alors, j'aime bien ta remarque, Rascapac. Quand tu dis un mode Half-Life 2, il faudrait que je le fasse un jour. En ce qui concerne ce que je vous mets à l'écran, qui est Garry's Mod, à la base, il faut savoir que c'était un mode de Half-Life premier du nom. Mais je sais plus le nom du garçon qui était à l'origine de ce mode, qui a bossé comme un malade, qui a codé pas mal de trucs. Il voulait, il avait raison, mettre en exergue le moteur physique de Half-Life 1, qui était excellent. Et il s'est fait repérer par les équipes de Valve, justement, bah, qui fait Steam depuis. Il s'est fait repérer et il s'est fait racheter son mod par. Tant pis, je suis obligé de tomber, je suis coincé dans le décor. Il s'est fait racheter son mod par Valve, qui est devenu un programme, un jeu à part entière, qui est Garry's Mod, qui est bien populaire parce qu'il y a plein de trucs qui se greffent dessus. D'ailleurs, plus tard, si j'ai plaisir d'être avec vous à faire du multijoueur, qu'on se rend compte qu'on a des gens en commun et que vous souhaitez jouer avec moi, ce sera avec grand plaisir.
Pour ce qui est de Garry's Mod, il y en a un qui m'intéresse en même plus à jouer, c'est les, qu'on appelle ça, les Murder Party. Il y a un mode exprès, ça peut être très drôle. Et il y a d'autres modes, enfin d'autres jeux, je sais plus, mais vraiment excellent. Il y a vraiment des bons trucs. Où il y a le coup classique de genre de jeu FPS vu à la première personne, où il y a des chasses à l'homme en fait. On s'amuse à se dégommer, c'est la base même. Même ça peut défouler pendant 1 heure, on peut se payer des franches parties de rigolade. Ah oui, ça vaut le coup de lire les informations dans les textures, les illustrations. D'ailleurs, sur cette carte, alors c'est bizarre, il y a des, j'ai envie de dire, d'étranges fautes de français. Non, c'est pas la sortie là. Il y a une sortie du métro, je débouche. Voilà, c'est le camion de boulangerie-pâtisserie, le v'là. Voilà, je vais le mettre en plein écran que vous puissiez lire, ça me fait marrer. Les pains spéciaux et sa collection de chocolat Faconnet avec un faux numéro de téléphone. C'est rigolo. Ça, c'est le genre de détail qui me tue. Bah, pareil, les annonces de cinéma. La passion selon Bobby Joe, d'après une histoire plus que vraie. Et je sais pas si vous voyez, si vous avez la haute résolution, vous devez voir, il y a les parodies des mécénats habituels au niveau culture. Europe 1 est devenu l'une 1. La virgule, ça doit parodier peut-être le journal Le Point ou La Dépêche. Mais RMC qui est transformé en je sais pas quoi, en TMT. Ouais, Tom Tank, Julien Robert et Philippe Glamour, ouais. Oh non, non mais c'est extra. Alors, tac tac tac. Oui, c'est bien, Edge, c'est cool. Ouais, que tu te réinstalles le 1. Alors, sinon, j'ai vu une vidéo sur un mode Harry Potter sur ce jeu également. Alors, je pourrais pas dire, moi j'accroche pas à Harry Potter, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais que t'es fan et c'est très bien, Edge Club. Mais Harry Potter, je l'aime tellement pas. Ma frangine apprécie, elle a essayé de me convertir. Elle m'avait, je sais plus, donné, enfin prêté le DVD du premier opus, je crois, de l'histoire. Et j'ai pas tenu un quart d'heure, ça m'a énervé. Je trouvais ça d'un kitsch à l'anglaise, mais ça en suait par tous les pores. Et moi, ça m'a, franchement, j'ai pas du tout adhéré. Et je l'aime tellement pas, Harry Potter, que je l'appelle Harry l'empoté. Je suis méchant, hein. Mais bon. Ça. Je me réjouis que cette œuvre existe et qu'elle fasse beaucoup d'heureux dans le monde. C'est très bien. Là-dessus, je suis totalement pour un maximum d'œuvres culturelles. Mais moi, je suis navré. J'accroche pas du tout. C'est pas avec moi que vous aurez de Harry Potter. Pas... Oh, le pot renversé, c'est. Ah ouais! C'est la physique du jeu, dis donc. On va voir si je peux le ramasser. Si j'y arrive. Bah, il est où mon truc Ah, c'est ça, Gravity Gun. Oui, je peux choper et balancer le pot de fleurs. Oh, le délire. C'est là où on commence à jouer avec la physique du jeu. Ah, on voit qu'il y a un plafond au niveau du ciel. Il y a eu un impact au niveau du pot de fleurs dans le ciel. Mais c'est vachement bien fait. Et là, on essaye de dégommer un oiseau. On va avoir une plainte de Alain Bougrain-Dubourg pour maltraitance. Et il aura raison. Ah, oh, ça va finir sur un balcon, ça. Oui! Ah oh, oui! Vous voyez, rien qu'un truc simple comme ça, j'adore. Je me tape des délires avec la. Pardon. Avec la physique du jeu. Ça devient un jeu de quilles, j'adore ça. Les jeux de quilles, j'adore. Oh, il a été dépoté. Vous avez vu? Le pot de fleurs a été dépoté. Mais la physique est extraordinaire. Ah, oh, c'est génial! Oh là là, la rigolade! Oui, pardon, normalement là vous voyez à l'angle mes notifications de Discord. Avec la dizaine de serveurs sur laquelle je suis connecté. Tiens, en parlant de Discord, on fait bien en parler. Et je suis ravi que tu sois présent, Edge. Parce que publiquement, je peux te remercier déjà pour toutes les aides que tu m'as apportées à découvrir et maîtriser Discord. Je pense que dans la quinzaine qui va suivre, je vais me mettre à programmer mon propre serveur Discord. Ça y est. Et je vous le proposerai en adresse ultérieurement sur ma chaîne. Que vous puissiez prendre vos aises avant le 1er janvier. Et puis voilà, que j'ai, comme je vous ai expliqué, que j'ai tout sous la main. Ah, il y a quand même quelques animations en arrière-plan, si vous voyez, de la circulation. C'est excellent. Ah, c'est excellent.
Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter de déambuler dans Paris. Voilà, ça c'est le plus beau plan, on va finir là-dessus. Alors, Aérostar, oh bonjour. Alors, je finis par être embarrassé, j'espère que tu vas bien, Aérostar. Je fais une petite session test, parce que j'avais, en diffusant sur mon canal principal, avant officiellement de faire le 1er janvier, j'avais un problème de son. La précédente diffusion, le week-end dernier, j'avais un fichu grésillement qui devait venir de mon micro secondaire que j'ai débranché. Et bah attendez, de toute façon là je vais arrêter le G-Mode là. Je ferai peut-être une autre carte si vous voulez, mais on va bavarder un peu 2 minutes si vous voulez bien. Je vais me mettre en plein écran. Attendez, attendez, attendez. Voilà, coucou! Voilà. Ah oui, tiens, je suis en train de voir que j'ai même pas mis mon Winamp. Habituellement, je peux mettre mon Winamp avec mes propres compos, hein, je vois pas le problème de DMCA. Mais vous auriez dû voir mon Winamp, j'ai oublié de le lancer. Si lui aussi accepte de se lancer. Voilà. Bop, 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 bop. Je vais vous mettre un petit fond musical. Minute papillon, je vous prie. Faudra pas que je mette fort, que ce soit vraiment en arrière-plan. J'ai une fenêtre qui m'enquiquine. Tac, voilà, ma petite liste pour Twitch. Hop, faut pas que ce soit fort. Voilà, je mets à peine 3%. Je mets juste en suggestion de fond, que ce soit ultra léger. Mais on peut bavarder, pépère, pépouze. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais. Que je suis en phase expérimentale de test, hein, voilà, je récapitule rapidement pour, comme tu viens d'arriver à Aérostar. Et que j'avais le pépin, le précédent test le week-end dernier, j'avais un pépin avec un grésillement de son. Là, normalement, vous devez avoir son pur. Alors, le coucou qu'on vient d'entendre, c'est un truc que j'ai programmé sur avec Wisebot. Il donne l'heure. Il y a le petit coucou qui signale toutes les heures fixes. Ça permet d'être conscient que l'horloge tourne. Alors, Ascarcapac, je te dis, ah oui, c'est vrai, comme. Oui, je suis. Oui, informaticien. Alors, pas vraiment programmeur. Ma spécialité, c'est réseau. Mais je fais un peu de programmation aussi, je te l'accorde, c'est vrai. Mais il faut savoir que c'est pas ma spécialité. Tu es à peu près capable de construire ton propre serveur. Oui, ah oui. Oui, normalement, c'est dans mes cordes. Normalement. Mais je rechigne pas à avoir un peu d'aide. Et merci encore à Edgy Club qui m'a enseigné la coulisse de Discord. C'est bien, ouais, c'est cool. Ah bah ça fait plaisir déjà de vous voir et puis de voir que vous allez bien. C'est cool. Oui, pardon, je chirote mon café au lait, hein. Je profite pour prendre mon petit déj en même temps. Que dire, que faire? Oui, c'est toi, Edge. Est-ce que je vous propose une autre carte sur Garry's Mod ou est-ce que vous voulez que je vous présente éventuellement un autre jeu? Pop, 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 commencer une nouvelle partie. Genre, je me remémore en gros les cartes que j'ai sous Garry's Mod. Il y en a des belles, mais je sais plus lesquelles. Je sais qu'il y en a une énorme, on pourra pas faire ça en. J'ai envie de dire qu'une heure ne suffit pas pour visiter la carte tellement qu'elle est monstrueuse. C'est quasiment un village avec une forêt et un château. Alors là, c'est le genre de carte, on déambule, mais alors. Ah oui, il y a le périphérique japonais qui a été modélisé. Ça a été super bien fait. On déambule sur. Alors c'est particulier sur l'autoroute Nippon. Il y a un autre truc, je sais même plus ce que c'est. J'ai des vignettes de cartes. Ou alors, on fait un autre jeu, mais je sais pas quoi. J'aime bien, j'avais dit, je diffuserai pas au-delà de 11h, mais comme vous êtes là, je vais jouer un peu les prolongations, histoire de pas vous mettre un triste vent. Mais coup sûr, hein, je me mets en limite, je me mets midi, parce que malheureusement, là, je vais avoir plein de tâches de ménagère à réaliser. Hop, je vais peut-être mettre rapidement une autre carte pour voir ce que ça vaut. Ah! Un cousin! Romanus Caiutus, bonjour! Yop de Bourgogne! Voilà, phase de test pépère. Et normalement, sans grésillement. Oui, c'est un partout, 30 minutes de prolongation. Oui, un peu de ça, Edge.
Ouais. Oui, j'espère que tu vas bien aussi, mon cher Romanus. Je vais juste t'appeler comme ça, Romanus. Ah, c'est rigolo, avec les pseudos, c'est sympa. Le temps que ça charge, je vais vous basculer sur l'autre écran. Hop, voilà. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Eh, c'est le crash. Non? Ah oui, non, il a perdu la captation. Ah, froidement? Oh, ne me dis pas que ta chaudière a sauté. Oh là là, malheureux. Parce que je sais que t'avais eu des pépins de chaudière. Oh! Waouh! C'est Tchernobyl là ou quoi? On se croirait à Prépiat, la ville qui était à côté de Tchernobyl quand la centrale a explosé. Waouh! J'ai pas regardé le nom de la carte, mais ça fait flipper. Waouh! Waouh! Non mais sérieux, c'est Prépiat, c'est pas possible. Ah oui, il faut que j'arrête de faire ça. Excusez-moi. Ça me met en surimpression le menu des objets à générer dans le jeu. Oh là là. Wow, trop bizarre. Bah, je me demande si c'est pas la première fois que je lance cette carte. Parce que je m'en souviens pas du tout. Waouh! Waouh, trop bizarre. Ah oui, Edget, t'as un problème de bande passante. Ouais, mais si t'installes ton jeu sur l'ordi et que t'essayes de me suivre via ton téléphone, effectivement, tu risques de me voir en saccadé, mon pauvre. Ou en bas débit. Ah, il me propose de choper un truc. Ah d'accord, j'ai arraché le feu tricolore. Ok. Mon dieu. Mais c'est trop flippant comme carte. La nature qui reprend ses droits après une apocalypse. Waouh, mais non, mais j'ai jamais lancé cette carte. Je l'ai téléchargée en me disant, tiens, je la ferai un jour. Et je la découvre avec vous. Waouh! Alors, s'il y a chasse à l'homme sur ce genre de carte, avec toute la verdure, ça me fait penser un peu à un scénario à la Vietnam. Et là, pour distinguer quelqu'un, s'il bouge pas, c'est balèze. En tenue militaire camouflage, ça le fait. Moi, je me ferais sûrement avoir à tous les coups. Ah, on voit que t'as lancé ton jeu, Edge. J'ai la notification qui passe en direct. Oh! Je vais pas me précipiter dans le vide, mais ça aurait pu être peaufiné comme modélisation là. En plus, c'est un truc assez grossier. En dehors de ça, la carte est excellente. Oula, faut que je vous lise. Ah, pas du tout. D'accord, oui, tu as pris le frais. D'accord, Romanus. Ah, bah c'est bien. Petite promenade dominicale. Est-ce qu'il fait beau à Nancy? Question de Raskar Kapak. C'est crémeux, c'est-à-dire que j'ai un ciel couvert très blanc, mais dilué. Et le soleil, à mon avis, je le verrai pas de la journée. Mais c'est pas pluvieux, donc je vais pas m'en plaindre. Voilà pour ce qui est de la météo. Est-ce que j'ai loupé? Oh, je suis bloqué. Mince! Ah non, je me suis encastré dans le. Ah! Est-ce que je peux m'extraire? Oui, ouf, fallait que je force. Est-ce que j'ai loupé des messages? Tac, tac, tac. Ici à Niort, beau temps depuis 2 semaines, c'est agréable. Ah bah c'est bien, Scarcapac, cool. Ah oui, Edge, oui, t'as vu ta notification en direct. De mon côté. Oh là 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 là. Ah c'est beau. C'est sympa comme tout. Tiens, sur le coup, j'étais en train de me dire, est-ce que c'était du bambou? Mais non, c'est pas le même végétal. Je suis en train de me planter dans les.
Bon, bref, une carte sympa, mais quand on est tout seul, on a vite fait d'en faire le tour. Est-ce que je m'amuse rapidement à en faire encore une, à découvrir avec vous, et puis on passe peut-être à autre chose? Laquelle vaudrait le coup? Ah, oh, de mémoire, je sais plus. Là, il y aurait un port. Ah, j'ai mis un cœur, donc je l'aime bien. Elle fait partie de mes favoris. On va déambuler virtuellement là-dedans. Ah, merci, cousin Romanus. Caïutus. Bon dimanche à toi, à la prochaine. Merci d'être passé. Bisous tout plein. Oh, ils sont chiants avec leur Google machin. J'ai dû télécharger un mode qui me greffe Google. Oh, il y a un problème de texture. Oula, oulala. Quand les textures s'en vont, ça le fait pas. Waouh, la carte là, bah, c'est bizarre, je l'avais notée comme je l'aimais bien. Ah, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Je l'avais testé quand j'avais mon ancienne carte graphique. Encore que je dis ça, c'est bizarre parce que l'ancienne carte graphique, j'avais 1 giga de mémoire embarquée et la mienne actuelle, qui est plus bureautique, a également 1 giga. Donc je pensais à un manque de mémoire pour charger les textures. Mais apparemment, c'est pas ça. Ou alors j'ai une corruption de données. Bon, quoi qu'il en soit, on se barre de là parce que c'est un environnement virtuel de corrompu. Oh, c'est dommage. Je sais pas, une petite promenade champêtre. Ah là 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 là. Ah, c'est bien, t'as testé le premier opus, LJ, ça passe bien. Oui, à mardi, cousin, merci, bisous. Oui, je sais pas pourquoi t'as été censuré. Alors, l'automode qui fait l'auto-censure, il y a des trucs trop bizarres. Il y a des mots qui sont parfaitement communs, non agressifs, et c'est même le contraire, mais qui passent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils font pas la distinction de la langue et dans une langue étrangère, on a un mot qui passe en français qui est quelque chose d'odieux dans la dite langue étrangère que ça m'étonnerait pas. Oui, je pense que c'est fluide pour vous. Moi, j'ai 60 images secondes. Bon, vous me direz, c'est un peu vide au niveau animation à l'écran, mais... Si un de ces jours prochains je dois me faire une session de jeu à vous diffuser, au moins que vous ayez quelque chose de potable. Bah là, tu vois, en comparaison à Scarcapac, figure-toi qu'il y a un peu de ciel bleu. Ce que je n'ai pas sur Nancy. Sans déconner, voilà, pour te donner une image, alors sans le brouillard au sol, voilà ce que j'avais sur Nancy. Voilà, c'est ça. J'ai même pas un petit truc de bleu. C'est de la purée blanche que j'ai au ciel. Là, t'as exactement ce que j'ai sur Nancy en ce moment. Voilà à quoi ressemble mon ciel. Non, un peu de ciel bleu, je dirais pas non. Hein. Mais bon. De toute façon, aujourd'hui, je suis pas censé mettre mon pif dehors. Je suis peinard au chaud. Et je ne m'en plaindrai pas. Est-ce qu'ils ont programmé le fond marin? Par curiosité. Oh, sans plus. C'est pour le principe. Ouais, pas c'est sympa. Wally, wallou. Bon, on va peut-être pas faire que ça. À peut-être revenir en... Ah! Voilà. Au moins, vous me voyez un peu. Tac, tac. Ah oui! Faut que je fasse un test. Tant qu'on est tous réunis. Alors, minute papillon. Ça, c'est un truc qui avait crashé. Enfin, crashé. Oui, t'installes le 2. Oui, bah t'enchaînes, Edge. T'as raison, t'as toute la saga. Fais-toi plaisir. T'as bien raison. Alors, je vais tester plusieurs commandes que je me suis déjà programmées. Normalement, là, je dois basculer, voilà, en just chatting, en faisant ça. J'avais ma commande clip qui fonctionnait pas, alors que Westbot me la propose. Donc, on verra s'il m'aura généré un clip ou pas. Faudra que je regarde dans la coulisse après, hors antenne. Alors, Ascar Capac, je te lis. On m'a déjà parlé du climat de Nancy. Déjà vécu un certain temps. Oui, t'as de la famille qui a vécu dans la région. Bah, c'est la fraîcheur lorraine, on va dire. je sais plus quelle période de l'année je suis le coin de France le plus frais. Ça entretient. Ouais, moi, je suis habitué. Enfin, oui, j'aime bien le froid. C'est dans le sens que je déteste le chaud, par contre.
Dès qu'il fait 20 degrés Celsius, je bouge pas, je peux me mettre à suer. C'est dire à quel point je tiens pas la chaleur. Donc moi, le froid lorrain, ça me va bien. Oui, hiver très rude. Ouais, pour ta maman. Alors, pas l'hiver qui est passé, mais je crois qu'il y a 2 ans, on a eu une nuit, ça est descendu à moins 20 degrés Celsius de nuit, en janvier. À 1h du matin, 2h du mat, on était à moins 20. Oui, il s'appelle. La Lorraine, on va dire de... Tu peux être quasiment certain que de novembre, décembre, janvier et février, tu grattes le pare-brise. T'as souvent du givre. Ça, c'est propre à ma région. Enfin, propre à ma région. C'est quasiment imparable chez moi. Après, les régions alentours, je sais pas. Mais bon, voilà, ça fait partie des spécificités locales. Et je ne m'en plaindrai pas. T'as un beau petit soleil du côté de la Normandie, Edge. Ouais, c'est cool. Bah, c'est bien, profite. Ça fait du bien, là, rayon de soleil. C'est bon pour le moral, comme dit la chanson. Allez, qu'est-ce que je vous fais en... J'en profite pour faire un autre test de jeu, en fait. Tant que vous êtes là. Ah! Est-ce que je pourrais lancer... Peut-être qu'on sera du Grand Theft Auto, du GTA. Alors, pas le tout dernier, hein, je l'ai pas et j'en suis pas là. Moi, je me suis arrêté, en fait, à San Andreas. What? Je suis en train de flipper. Je suis en train de flipper, pourquoi? Parce que je clique sur mon Grand Theft Auto épisode from Liberty City et il me le propose de l'acheter alors que je l'avais déjà acquis. Comment ça se fait que j'ai une corruption de... je l'avais déjà acheté, il me le propose de l'acheter à nouveau. C'est quoi cette escroquerie? Alors c'est la première fois que j'ai ça dans Steam. C'est une grosse surprise, plutôt désagréable. Bon, on ne testera pas GTA. Alors là, waouh! J'en découvre des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme petit test? Ah, Lara Croft! Ah, Lara Croft... Ah, tiens! Il faudra peut-être que je vous fasse un petit sondage. Attendez voir. Je vais m'amuser à vous faire un mini sondage. Attendez voir. C'est-à-dire que il se trouve que j'ai déjà joué aux 3 premiers opus de la saga Tomb Raider. Mais il se trouve que dans Tomb Raider 3, je l'ai pas fini. Mince, je sais plus c'est quoi les commandes. Comment on fait pour le sondage? C'est pas pool? J'ai un trou de mémoire. Mince. Blablabla. Je vais même pas réussir à vous faire un sondage. Oh, nul le mec. Attendez voir. Tac, tac, tac. Je révise mes commandes, excusez-moi. C'est vraiment un direct quasi improvisé. C'est un grand n'importe quoi. Veuillez m'excuser. Bah alors, comment on fait? J'arrive même pas à retrouver la commande. Ils l'auraient retirée? Peut-être. J'espère qu'ils vont vite la remettre. J'ai les souvenirs de ça. Bon bref, on va pas... Je vais pas perdre 3 heures là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas fini Tomb Raider 3, j'étais en cours de le faire. Et là, ça fait 3-4 ans, pareil, que j'ai lâché la partie. J'avais plus le temps de jouer. Est-ce que vous serez intéressé que je refasse le 3 depuis le début? Autant dire que je l'ai oublié. Et je ferai le 3 en direct avec vous. On passera un bon moment. Ou est-ce que vous souhaitez que je passe directement au suivant, le 4, sachant que le 3, je me le terminerai en hors antenne de mon côté, mais je vous le mettrai à disposition sur ma chaîne YouTube. Voilà, l'idée de ma question, elle était là en fait. T'as 6 degrés de ton côté, Edge? Oh, moi, je dois pas être loin non plus. Sûr, je dois être actuellement encore sous la barre des 10 degrés Celsius. Ça s'appelle bien de mon côté aussi. Un concert de la Compagnie Créole à Nancy, ça doit réchauffer l'atmosphère, oui. Oui, on a Nancy Jazz Pulsation en ce moment à Nancy. Et il y a des concerts offerts spontanément à la pépinière. Donc il peut m'arriver en ouvrant la fenêtre, si l'orchestre joue fort, je peux entendre la musique depuis ma fenêtre. C'est sympa. C'est très agréable. Oui, j'ai mes messages automatisés que je redécouvre, puisque ça doit faire au moins déjà 6 mois que je les ai programmés dans Wisebot. J'avais complètement oublié, oui, le principe de la cagnotte plus tard. C'est-à-dire que je vous réexpliquerai le moment venu,
Mais en gros, ce sera une tirelire pour la location du serveur Minecraft. Les jeux, je vous en reparlerai le cas échéant, c'est pas le moment. Le moment est pas venu. Ah, c'est bien, c'est cool. Vous avez reçu des bergas. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, je vais refaire un test de clip. Et je viens de donner un coup dans mon micro. Pardon, c'est pas bien. Ouh là là. Faut que je... Ah! Ça tient pas ma perche improvisée. Faut que j'arrête de trop bouger. Voilà, vous puissiez bien m'entendre. Donc, un petit dernier test. Que je regarde. Qu'est-ce que je pourrais vous faire qui consomme pas trop de ressources système. Pardon, je vais faire un test bidon, mais ça va. Moi, ça me fait rire. Je vais vous lancer mon simulateur de train. C'est un truc qui relaxe aussi. C'est une vieille version de Train Simulator, la version 2012. Donc ça bouffe pas trop de ressources. Et là aussi, c'est bête, mais ça peut poser une ambiance. C'est-à-dire que je lance le train sur ses rails, ça vous fait une animation à l'écran et on papote ensemble. C'est le genre de truc que j'adore en fait. Si on a des longues, longues sessions de bavardage, au lieu de rester en plein écran où vous voyez ma tronche, ce qui n'est pas forcément, je le conçois parfaitement, le plus agréable à regarder. Si le jeu accepte de se lancer, alors attendez, je vais juste vérifier que je suis en plein écran sur le jeu. Oui, il va me lancer en qualité haute. Plein écran, pourquoi pas. Soyons fous, allons-y. On va voir si le jeu est capable de... Waouh, ça fait sauter ma... Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre en haute résolution. J'ai déjà un regret. Je suis en train de tout faire sauter. Je sais même pas si vous me voyez encore. Wouah! Veuillez m'excuser pour le petit incident technique. Wouah, j'aurais pas dû mettre la pleine résolution en 1920. Je suis en train de perdre le contrôle. Bah alors, panique à bord. Je suis en train de cliquer depuis l'écran secondaire à essayer de reprendre la main dans Streamlabs et il m'envoie bouler. Ouh là là. Voilà. Là, je me vois en direct et j'ai mon application pour suivre le chat si vous voulez m'interpeller. Est-ce que j'arrive à rebasculer en... Attendez. Si je fais ça, on va voir mon écran principal. Voilà. Je me remets moi le chat pour que je puisse vous lire et on bascule sur le train. Normalement, ça doit... Ah oui, ça doit marcher. Oh, je ne sais plus comment ça fonctionne. J'avais fait des sessions sauvegardées. Et vous allez voir que je vais pas réussir à lancer le train. Ah oui, tu m'étonnes que je m'en souviens plus. Mes sauvegardes datent de début 2020. C'est déjà loin pour moi dans ma mémoire. On se fait la Chine. Aïe aïe aïe. Pardon hein, pour la piètre qualité du direct d'aujourd'hui, mais comme je bidouille ma chaîne. C'est tellement improvisé que j'ai même pas ma fiche papier habituelle où je note les commandes, les trucs que je veux tester. Là, je suis en train de réfléchir, de me dire, faut que je profite de l'occasion pour faire des tests et je sais plus quoi. Je suis en train de penser. Pour info, donc je me suis fait plaisir au niveau de ma chaîne. J'aime beaucoup Wisebot et c'est en train de crasher lamentablement. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Ah voilà. Mais normalement, vous avez le signal du train là. Vous voyez mon jeu, je crois. Mais comment je lance le train? Je sais même plus. Ah, c'est ça, je crois. Voilà. Oh là là. C'est un simulateur de train, hein. On apprend vraiment à conduire.
Normalement, je fais le klaxon, mais je sais pas s'il y en a ou si j'ai désactivé le son. C'est n'importe quoi. Normalement, je peux voir dans ma cabine. Ah oui. Je sais même plus quel train j'ai pris. Bon, vu les inscriptions, c'est un train, un modèle chinois. Nous sommes en Chine. Ah, le chauffeur est un clopeur. Oh là là. L'habitacle de la cabine de pilotage du train. Ça va pour vous? C'est fluide? Je zoome sur la voie histoire que vous ayez quelque chose d'attrayant à regarder. Eh, ça lag un peu! Oh mince! Par contre, je. Ah oui, je suis déjà à 70 km/h alors que je suis censé être 4,35. Je suis déjà en excès de vitesse. Bon, bah si je déraille, tant pis. Hein. Ah non, 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 je dis des bêtises. Je suis à 35 km/h, c'est limité à 70. C'est l'inverse. Oui, mais c'est pas grave, on y va pépère. J'ai l'impression que ça lag un peu. Ça va chez vous? Je me permets de vous demander parce que. Là, j'ai plus mon retour à cause de la résolution. J'ai plus mon retour vidéo. Donc, j'arrive plus à voir si je suis fluide ou pas. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un souci. S'il vous plaît. Oui, les sous-sous dans la popoche. Oui, alors là aussi, pour ceux qui connaissent pas, la monnaie de ma chaîne, ce sera un losange jaune. Que j'ai appelé Berga. En fait, c'est une référence à ma confiserie locale, qui est la Bergamote, qui présente justement sous la forme d'un carré jaune blanchâtre. Et évidemment, c'est un nom protégé, je ne vais pas dire le mot littéral Bergamote, et juste Berga, ça suffit, on comprendra le principe. Et puis, de toute façon, ça n'ira pas au-delà. C'est juste, voilà, le nom de ma monnaie. Donc évidemment, plus vous restez en ma compagnie, bah, c'est le jeu classique d'être crédité et d'être récompensé pour la fidélité à la chaîne. Vous aurez des petits bergas. Et avec ça, bah, je vais essayer de vous proposer plein de trucs. C'est-à-dire que vous pourrez acheter des animations son. On verra. Je vais agrémenter au fur et à mesure, mois après mois, des trucs marrants. J'ai aussi ma boutique virtuelle où vous pourrez me donner, on va dire, des gages et me demander de différents services. Voilà. Si ça lag un peu, mais ça va, le signal vidéo est visible. Merci Dragon Sky. Merci pour ton retour technique. Voilà, bon, phase de test. À mon avis, celui-là, si je papote avec vous, je ne le mettrai pas en 1920 de résolution. Qui est la très haute résolution, je basculerai en plus petit, je mettrai du 1280, qui est en fait ma résolution native d'écran. Je mettrai peut-être pas, ou alors je mettrai ma tronche et le chat. Je ferai peut-être un montage exprès, tiens, pour le jeu là. Vous savez quoi? Pour bavarder peinard, si ça peut être rigolo. Ça distrait l'esprit, ça passe le temps. Faudra que je me fasse une scène, un montage exprès. Pour les longues sessions de bavardage. C'est toujours ça de pris, je trouve. C'est une bonne idée. Bon, bah c'est cool. Que dire de plus? Je vais pas tarder à vous laisser là, parce que l'horloge tourne déjà. Merci à vous d'être venu. Puis j'ai pas, honnêtement, j'ai pas de test en tête. Je suis plus préoccupé par mon programme ménage de la journée à faire. Que faire la coulisse de la chaîne, malheureusement. Donc, prochain test dans le calendrier, ce sera donc début novembre. Là, j'aurai malheureusement plus le temps de diffuser ce restant de mois d'octobre. Que dire de plus avant de rendre l'antenne? Oui, c'est un petit moment. Non, mais je t'en prie, Aeroster. Je me barre, à chaque fois que quelqu'un dit l'expression merci pour ce moment, je peux pas m'empêcher de penser à l'histoire de Valérie Trierweiler et de notre ancien président là. Le bouquin qu'elle a sorti, merci pour ce moment. C'est un automatique, ça me fait sourire à chaque fois. Je repense à l'histoire du scooter, etc. etc. Bref. Anecdote historico-politique gnognotte à part. Je vais bientôt rendre l'antenne. D'ailleurs, je vais regarder chez qui je peux vous mettre en relais de chaîne. Alors, je rebascule là. Vous voyez, c'est le bazar. Attendez, on va remettre ma tronche. Que vous ayez au moins ça en signal.
Que je regarde qui c'est qui, des copains, des... Ah bah vous savez quoi, on va basculer chez l'ami Olive, qui fait du Sims 4. Et je vous remercie à tous et toutes d'être venus. Donc prochain test le mois prochain, je crois qu'on sera le 7 ou le 8 novembre. Et je vais donc programmer mon raid chez l'ami Olive. Est-ce que ça marche comme ça? Je sais plus si ça marche avec la rebase. Bah non, je suis bête. Ça peut pas marcher avec la rebase, elle est pas en... Qu'est-ce que je fais? Bref, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Merci tout plein. Prenez soin de vous, c'était cool. Moi, dans la coulisse, je vais regarder ce qui allait, ce qui allait pas. Je vous remets le... Merci, merci. Je vous remets rapidement La les... Non, chaîne pas Twitch ça. du Sage est actuellement Les en phase liens. de test bêta afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le tiret bas robot tiret bas du tiret bas Sage tiret bas de tiret bas Nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, HTTPS. Alors, retrouvez sur ma chaîne les pavés que j'ai programmés à la voix de synthèse quand c'est pas moi. Vous allez retrouver là aussi mon esprit à rallonge, à faire des tirades interminables. Bref, je me suis trompé de bouton, c'est pour ça que ça s'est lancé. Je voulais juste vous remettre les liens que, voilà, si vous voulez me suivre sur Twitter, si vous voulez la chaîne YouTube. Enfin bref, vous retapez mon pseudo, le Sage de Nancy, et vous me trouvez, hein, pour faire simple. Et donc, d'ici la prochaine quinzaine, je pense que j'aurai ouvert mon Discord. Donc je vous en reparlerai d'ici là. Et encore merci à G-Club de m'avoir enseigné la coulisse de Discord. Je vais monter ça dans les prochains jours dans la coulisse. Donc gros bisous tout plein. Et je vous laisse en compagnie de l'adorable Olive qui est sous Sims 4. A plus. Ciao, ciao. Merci. Bye. J'ai plus de voix. Bridé de la coca et des légumes, comme ça, plus besoin de forcer les enfants à manger leurs légumes. C'est ça. Et coucou le sage, et merci pour ton raid. Merci pour ton raid. Ah putain, j'ai raté ton stream, la violence. Oh là là, comment ça va? Comment ça va le sage? J'avais pas. J'ai pas les bruits des. Et merci pour ton resub. Ah, tu viens de finir une phase de test. D'accord. J'espère que ça s'est bien passé, tes tests, le sage. Ah, j'espère trop que ça s'est bien passé, quoi.